Fanny, Fanny, Tunisie, l'Union européenne, c'est gâté. Tout est mélangé, famille. Vous vous rappelez tous ici que l'Union européenne avait donné de l'argent à la Tunisie pour stopper l'immigration. Vous vous souvenez de cela? Alors, qu'est-ce qui se passe? La Tunisie avait bien sûr pris l'argent. Et c'est dans ça que nous avons connu tout ce que nous avons connu, tout ce qui s'est passé. Mes familles, je vais vous demander de pousser énormément les bleus avant qu'on ne rentre dans les détails en profondeur. Famille, prenez la vidéo, envoyez dans tous les groupes. C'est mélangé. Famille, ici, la Tunisie avait reçu le wari, le jeton, pour stopper les migrants. Et c'est dans ça qu'ils ont créé des trucs bizarres là-bas pour dire que nos frères africains avaient fait ceci, avaient fait cela en Tunisie. Voici pourquoi ils étaient pourchassés, ils étaient chassés. D'autres sont allés mourir dans l'eau, d'autres ont été. C'est que vous avez tous vu. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pour ne pas dire que plus tard que hier, Tunisie, les autorités interdisent l'entrée sur le territoire d'un groupe de députés européens. Et d'ailleurs, l'Union européenne, là, ils avaient donné l'argent à la Tunisie, non, pour stopper l'immigration. Avant-hier, plus de 6 000 à 7 000 migrants africains sont rentrés en Europe. Ils sont tous rentrés en Italie. Plus de 6 à 7 000 migrants africains, des jeunes africains. 7 000 à 6 000 personnes. 6 000 à 7 000 personnes, ils sont rentrés en Italie. Alors, voici que des députés, c'est ça, des députés européens décident d'aller en Tunisie. Peut-être croiser le président tunisien. Mais qu'est-ce qui s'est passé, famille? Un groupe de députés européens devait effectuer une visite en Tunisie du 14 au 16 septembre. Mais les autorités du pays d'Afrique du Nord en ont décidé autrement, en leur interdisant l'entrée sur le territoire sans explication. Les députés européens qui devraient aller en Tunisie, là, on les interdit de rentrer sur le territoire tunisien, sans les expliquer pourquoi ils ont été interdits de rentrer sur le territoire. On va aller en profondeur, famille. Après cet accident, certains députés ont demandé la suspension de l'accord migratoire conclu entre l'Union européenne et Tunis, signé il y a 2 mois. Bon, on va mettre ici une vidéo et on va rentrer en profondeur afin d'avoir plus d'infos. Famille, c'est parti. Restez concentrés. L'Afrique est en train de se réveiller. L'Afrique se réveille. Restez concentrés. C'est parti, famille. C'est parti. On suit la vidéo jusqu'à la fin. C'est parti, famille. Visiblement, c'est une dégradation. Et cela va de soi que cette situation soit un désaveu de la Tunisie vers le Parlement européen, surtout 5 eurodéputés qui allaient évaluer non seulement l'état de la démocratie en Tunisie, mais l'Union européenne avait signé un accord d'un milliard avec la Tunisie pour stopper l'immigration, arrêter les migrants, un financement de la société civile tunisienne pour faire un stop barrage complètement aux migrants clandestins qui passaient par la Tunisie pour rejoindre l'Europe en traversant la Méditerranée. C'est vrai que c'est un drame condamnable, ces morts au sein de la Méditerranée, mais également un forcing n'est pas la solution à l'immigration. C'est un pacte social, c'est un appui beaucoup plus conséquent au pays de départ. Et puis, le monde est un village planétaire aujourd'hui. On ne peut pas arrêter les hommes et les femmes. Ils vont là où ils veulent et comme ils veulent. Mais cela ne doit pas se faire à coup de mort et de drame, tout simplement. Et visiblement, les relations entre la Tunisie et l'Union européenne vont en se dégradant. C'est sûr et certain que cela peut poser problème et mettre même un coup d'arrêt à cette coopération et à cette collaboration particulière qui est de stopper l'immigration de façon à coup de millions ou à coup de milliards, de déplacer les frontières de l'Europe jusque sur le continent européen et africain. Famille, vous voyez? C'est-à-dire, les gens-là, ils ne veulent pas que les jeunes Africains viennent en Europe. Mais eux, ils sont prêts à venir chez nous chercher à manger. C'est-à-dire, aujourd'hui, leur cible, c'est le Niger, Burkina Faso, Mali, puisque les autres États sont déjà occupés. Alors, maintenant, ceux qui ont décidé de se délivrer là, il faut les pourchasser et récupérer ces pays-là de force. Mais aujourd'hui, il faut savoir que, un peu, petit à petit,
le Maroc qui a commencé à bouder ces personnes, l'Algérie qui a même rappelé son ambassadeur. Aujourd'hui, c'est la Tunisie qui rentre dans la danse. Demain, ça sera qui? Ça sera qui demain? Famille, ne nous décourageons pas. Tout va rentrer dans l'ordre. Si ce, le soldat de Gbagbo pour toujours vous informer.